Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le match, donc pour ce petit tournoi, bien évidemment. Donc, le match, donc moi contre Olmat. Donc, ce match va être un petit peu particulier car tout simplement ça va être un accéléré. Voilà, il n'y a pas tellement de choses à dire, je pense, hein, bien évidemment, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je verrai bien. Ce match était quand même du axe naturel. Bref, vous allez voir ça. Donc, du coup, voilà, bon, je vous laisse avec, avec des trucs de base, hein, bien évidemment. Donc du coup voilà, donc bon là mon équipe qui est plutôt pas trop mal, donc un match UU, on en a refait un autre après. Donc voilà, bon je vous spoil pas à la fin du match bien évidemment, mais voilà, donc vous verrez bien tout ça. Donc du coup voilà, bon là il met grand but, je suis choice spec bien évidemment, je vais essayer de commenter un minimum, bon je vais me retirer parce que c'est pas très très forcément intéressant. J'en vais Gligar, derrière qu'est-ce que je fais? Derrière je vais le toxique, voilà, bon jeu toxique, donc en gros un Gligar normal et Volurok qui tempo plutôt bien. Donc voilà, donc le but là c'était là je me suis demandé en fait si je stallais. Voilà, je voulais au début pas trop partir sur le stall. Et à propos, donc là je me dis en fait, bah ok nickel, c'est le moment du coup d'envoyer Beedrill. Voilà, Sliptol qui aurait pu taper sur Scald, qui ne m'aurait sûrement pas tué, sur repos bien évidemment, mais non, ça tape sur Earthquake. Donc on est plutôt pas trop mal, donc à partir de là je perds quand même ma méga, là bien évidemment la burn, hein. Bon vous savez dire pas très 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 important bien évidemment, hein, puisque bon c'est mieux que Vénal, je sais pas comment il s'appelle, voilà bon ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, bien évidemment, ça fait quand même deux petits axes chiant parce que bon Gabadril était quand même très très important dans cette team, bref c'est pas grave. Donc derrière bon jeu toxique ou pas, donc du coup là bah, voilà ou pas qui est un peu un problème, donc surtout qu'il place la trail, donc du coup bah, il fallait que je tempo parce que bah, j'avais plus Beedrill et Beedrill m'aurait bien aidé. Notamment contre cette petite chose, donc là j'étais obligé de stall pour gagner mon duel face à Oga parce que le axe n'était bien évidemment pas de mon côté. Là donc là j'avais très peur hein, bien évidemment parce que bon ça aurait pu taper Scald bien sûr comme séisme hein. Donc là je me suis demandé quel était le meilleur choix à faire. J'ai envoyé ma mochon, bien évidemment le coup critique Scald sur ma mochon qui ne me tuait pas. Voilà, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, bon, écoutez, j'avais calculé, ça m'aurait mis à 67%, derrière, il aurait peut-être pas retapé pareil, enfin, voilà, écoutez, c'est pas grave, derrière, j'envoie mon Vénal, bon, qui perd du Staying Power à cause de la burn, derrière, il y a toujours son Grumble qui est très très chiant pour ça, donc voilà, donc là, mon but, c'est de le poison. De poison, d'attente, de se régène, tout ça. Donc du coup là, donc bon, pour cumuler un petit peu les hacks pour l'instant, ils sont quand même bien de mon côté. Donc là je suis Steel Rock tout simplement pour gagner des tours entre guillemets. Parce que si j'utilisais Roost, bah j'étais pas super bien, tu vois. Ici j'utilisais et bah Toxic ça ne servait à rien. Donc voilà, donc c'est pour gagner des tours, c'est normal. Si plus tard dans le match je vais faire ça. Fois donc du coup voilà, donc le robot bichon ouais, qui m'en fait beaucoup de mal bien évidemment derrière, donc là voilà un rôle de HP, c'est enfin 2% de vie si on présente un HP, c'est pas grave, écoutez ce n'est pas grave. Donc derrière là il aurait pu finir, je sais pas trop pourquoi il changeait, écoutez c'est pas si mal pour moi, écoutez. Donc du coup là bon on se régène, derrière ce poké là était d'autant plus gênant surtout que du coup bah, j'avais perdu ma mouchon qui aurait pu être pas trop trop dégueu, enfin vous voyez genre ça prend un contre-coup, fait Ice Beam, enfin pas Ice Beam, HR bien évidemment, voilà ça permet de le tuer. J'ai pas grand chose en soi contre ce Pokémon qui est ne s'en fait et qui est complètement trop fort hein, bien évidemment. Donc je sais pas comment il le jouait mais enfin bref voilà. Mais vous inquiétez pas, le axe n'est pas encore à son paroxysme, donc je pense qu'il était choisi en dehors au niveau des dégâts. Donc là il ne meurt même pas bien évidemment. Je mets donc Infernape, mon Infernape Choice Card, derrière je tape Fire Blast. J'espérais bien évidemment ne pas miss. Donc là il envoie Falakog. Bon là j'étais un peu dans le mal, je vous l'avoue. Parce que c'est un Pokémon qui stalle. Et que je ne peux pas faire grand chose au vu des dégâts d'Earthquake. Parce que Gligar pas très très fort. Là il était sur le point de mourir. Mais le truc c'est qu'il a Elbel. Alors je sais pas pourquoi il l'a pas fait avant. Là il le fait maintenant mais...
partir de là, je me suis dit que c'était peut-être fini. Donc du coup, j'ai envie de faire Nape. Bon, il se soigne. Et là, ça aurait pu marcher. J'ai encore une chance. Bon, premier miss de Focus Blast, bien évidemment. Deuxième, encore un miss. Bon, vous savez que c'est 70 oppressions. Bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être me respecter. Et vous voyez qu'au vu des dégâts du dernier que je n'ai pas mis sans fin, ça l'aurait tué. Voilà, encore une fois, bon, mon Midrill serait pas mort également. Il aurait pu l'assassiner, bien évidemment, parce que je joue casse-brique. C'est très bien, c'est très bien. Casse-brique, œil turn et poison chap au lieu de drill run. Voilà, je trouve pas ça super super utile. Alors que pour les poké comme ça, genre l'euphorie, enfin tout varié comme ça, c'est très chiant. Donc là, ça va être une succession de stalls. Voilà, j'attendais tout simplement de pouvoir essayer de lui faire user ses pp, sauf que ça ne sert plus à rien parce que le match était scellé, malheureusement, parce que là, bah, l'issue du match était finie. Donc du coup, voilà, donc après j'ai préféré bien évidemment abandonner, cela allait bien évidemment plus vite. Donc du coup voilà, donc ça fait 1-0 pour Matt. Alors je sais pas en tout combien il y aurait eu de hacks. Il y aurait eu le coup critique sur Mamochon qui aurait été très 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 gênant. Encore une fois, comme je le répète, parce que ne sans faire, du coup j'aurais pu le gérer très très facilement. Parce qu'il serait pris. Je pense que Breakbird, je prenais quand même un bon mid life. Mais derrière j'aurais pu faire Richard qui lui fait d'énormes dégâts, surtout en life form. Et derrière, je me reprenais un Breakbird, mais voilà, c'était un moyen de tempo, il mourrait. Voilà. Bon, bien évidemment, les demi de Focus Blast qui ont été plutôt chiants. Le Split Talk. Qui voilà voilà, en général on joue jamais d'ailleurs repos un peu plus, mais repos speed talk, c'est vrai que c'est pas un combo qu'on voit sur la grogne. Donc bon, écoutez, voilà, hein, bref, Bidril qui meurt, donc du coup derrière j'ai pas la possibilité de tuer la masse l'euphorie. Derrière, qu'est-ce qu'il y a eu également la burn sur Kravaresh. Voilà, Kravaresh, c'est pas Venel, c'est la petite évolution. Sur Kravaresh qui aurait été chiante également, parce que du coup, ben, le Sting Power était pas énorme. C'était quand même un poké qui mettait une énorme pression. Chuspek qui est vraiment très très puissant. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le minimum damage, bien évidemment, sur Grand Bull. Voilà, beaucoup de choses. Je pense qu'au niveau du X, on doit bien être à 7, bah, les 5 ou 6, voire 7 euros de son côté. En tout cas, écoutez, c'est pas bien grave, on va essayer de se rattraper dans les prochains matchs. Donc les prochains matchs sont déjà tout tournés, bien évidemment. Bon, bah, je ne spoilerai, hein, bien évidemment, je vous inviterai à regarder les autres matchs. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. Pour l'instant, ça fait 1-0 pour Matt, mais je vous promets, même si c'est déjà tourné en avance, que... J'ai tout fait pour que ce soit super bien et qu'il ne gagne plus de points. On verra si j'y suis arrivé. Bref, en tout cas, merci à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et puis, bye bye tout le monde.